vous stoppez quand vous voulez. Parce que vous... Voilà. Plus de paiement de chômage, plus de paiement de retraite, plus d'allocation familiale. Je fais quoi à part mes vidéos? Bah, je suis producteur et réalisateur de mes propres contenus. Donc je diffuse un podcast à 13h30, un live le soir à 18h25. Je pars en couverture d'événements, des salons, mais pour l'instant c'est compliqué. Et puis voilà, il y a une vingtaine de vidéos, bientôt jusqu'à 30 par jour, 900 par mois. Vous voulez que je fasse encore quoi? Que je passe l'aspirateur ou... Ben, je passe des coups de laser des fois pour bloquer les commentaires. Je vide ça. Ouais. Tu veux savoir hein, si ça marche bien. Hein. Il y a beaucoup d'appels mais peu d'élus. Bonsoir Bruno. On se connaît, vous m'avez mis des likes avant d'entrer? Vous avez votre autorisation pour m'écrire ou quoi? Salut Robert. Je suis parti voir l'INSEE parce que évidemment je récupère des news sur Twitter et ailleurs. Et puis je me dis c'est pas possible, c'est pas ça. Et puis je vais vérifier quoi. Et c'est bien, c'est bon d'aller vérifier tout ce qu'on vous dit. Et c'est ce que vous faites de plus en plus. Et c'est pas plus mal. Parce que quelque part, vous vous dites, lui alors il me dit quelque chose. Puis c'est pas parce qu'on vous donne pas à chaque fois les URL, les adresses, que vous ne pouvez pas les vérifier. Après vous me dites des fois, ah ouais les sources, donne les sources. Bah vous pouvez les chercher. Si on vous dit qu'il y a donc autant de morts que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans, vous pouvez aller vérifier. Si c'est l'INSEE, vous avez un site. Vérifiez sur le site. Salut Mili. Ce qui se passe, c'est que le pire, c'est pas le virus, le pire, c'est l'angoisse. Tout type d'angoisse. T'as peur du virus, t'as peur de l'amende, t'as peur de perdre ton boulot, t'as peur de dire qui tu es, t'as peur de plein de choses. Mais si tu bouges pas cette année, même si c'est l'année blanche, tu vas perdre tout ce que t'as. Et il faut arrêter de penser que, quelque part, tout ce que t'as accumulé, c'est une richesse, pas forcément. Tu pourras peut-être garder quelques trucs, mais si jamais tout part dans tous les sens, c'est la grande tempête, eh ben, il te reste que toi, ce que tu sais faire toi. Et pas forcément ton bureau, ou tes apparences, ou ton hypocrisie. Toi. Toi, t'es qui? Toi, tu fais quoi? Tu nous apportes quoi? Tu viens avec ta bonne boubouille? Ça va, David? Tu viens, tu es là d'où tu es, avec ton accent, avec ta culture, avec ta façon de dire les choses, de penser, de proposer qui tu es. Le Cinoche se barre de son poste au Cinoche. Votre richesse, c'est votre sincérité, c'est votre culture, c'est ce que vous avez appris sur les gens, ce que vous avez appris sur la société, celle qui vous a tout enlevé peut-être, ou qui vous a tout donné. Votre richesse, c'est ce que vous êtes de mieux, ce que personne ne peut vous enlever. C'est quoi l'ambiance sur Paris? Ben, triste, masque, triste, ambiance Batman, Batman. Ambiance Batman, avec les oreilles de Batman, comme les oreilles de chat. Votre richesse, c'est ce qu'on ne peut pas vous enlever. C'est-à-dire, vous gagnez quelque chose, on ne peut pas vous le prendre. Un peu comme une carte de crédit que tu laisses tomber, tu t'en fous, personne ne peut te piquer ton argent. Salut Comet. Et moi, j'aime beaucoup l'idée du type qu'il est riche. Pas simplement dans son compte en banque, mais dans sa tête. Tiens, j'ai perdu ma carte. Oh, bah, ils pourront prendre 100, 200, 500... Bon, on va essayer de la bloquer un petit peu pour pas qu'ils prennent 1000 ou 2000. Mais puis, de toute façon, tu dis t'as une assurance. Mais c'est le truc où t'es cool. T'es cool. Ah, tu veux croquer un petit peu? Tu pourras pas prendre la source, c'est moi la source. Tu pourras croquer un petit peu, prendre un petit peu de mes sous. J'ai une assurance. C'est pas la peine de s'angoisser pour tout. C'est-à-dire, bah voilà. T'as perdu tes lunettes, t'as perdu quoi encore? Bah ouais, mais arrête de perdre des trucs comme ça. Tu te fais du petit mouron, puis après ça va mieux. C'est ça la richesse dans la tête. C'est que tu règles tes problèmes. Je suis triste, Animax? Non, c'est toi, je suis pas ton mec. Je suis pas mec. T'es simplement sur mon direct et tu t'abonnes, tu te dépêches. Ou sinon, tu vas prendre une petite douche froide. Je vais te bloquer temporairement. Je suis mon propre producteur, la source. Je récupère différentes sources d'actu, mais je traite la source. Enfin, ces sources. C'est moi la source. Plutôt la base. Bon, alors... Merci Milly. Au cinéma, 10 personnes dans une salle de 400, une heure d'affluence, dans un gourmand pâté, multiplex était mort. Bah, c'est fini les cinémas. Les crédits des faux swaps, ça me dit quelque chose. Ça va Georgia? Merci Dreas. Les crédits des faux swaps, on en est reparti à 2008. Hein. Ça décapite au canif. Au canif. Bonsoir, bonsoir. Mais que se passe-t-il?